Hey, salut tout le monde, c'est Lexuki et je n'ai pas mis le chrono. Vite, 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 le chrono, et voilà. Alors aujourd'hui, nous allons. Bah, bien sûr, nous sommes toujours sur un nouvel épisode de notre Let's Play sur Yu-Gi-Oh! GX Stack Force 3. Et on va. Pour l'instant, j'ai rien changé. Ouais. J'allais dire, j'ai acheté des paquets, mais non, en fait, j'ai pas acheté de paquets. Puisque j'aimerais bien me trouver un troisième Uria, mais j'en ai pas. On essaiera d'ailleurs au prochain épisode, ou peut-être après l'event de Blair qu'on va faire aujourd'hui, d'invoquer. Enfin, de gagner avec Uria. Et pas non plus que les cartes pièges. Donc, let's go. Tu comptes rester longtemps, blablabla, ouais, c'est ça, engueule-moi. Femme, d'où tu m'engueules. Voilà, bonjour Alex. Allez, la journée appartient. Oui, appartient à ceux qui se lèvent tôt. Alors, t'es encore resté éveillé toute la nuit? Non, oh, putain, j'ai du mal à lire. Putain, j'ai trop con. Tu te souviens de ce qu'on a dit la dernière fois à propos de ma déclaration d'amour au phare? Allons y faire un tour. Tu imagines si Jaden va jusque là-bas pour être bloqué par un panneau interdit de passer? C'est pas la minute, mais on doit être prêt à tout. Compris? Très bien. Oh mince, déjà si je me trompe de touche. Hop. Alors bon, du coup j'ai pu avoir quelques DP en plus. On m'a demandé, on m'a dit oui oui au phare. Enfin pas forcément avec les level 2. Mais bon, la coïncidence veut que ça se passe au phare, mais ça n'a aucun rapport. On m'a demandé de faire le défi des 400 amis. C'est un défi qui se passe comment ça s'appelle? Au phare, au port, où le but c'est de choper les personnages et d'avoir les 400 amis. J'ai testé un petit peu, c'est un petit peu chaud, je pense pas arriver aux 400 et bon, si vous voulez, je vais tester un petit peu dans l'épisode. Mais qu'est-ce que ça permet de faire? C'est que quand on termine ce mini-jeu, eh bien on débloque un nouveau paquet qui est axé sur les monstres guerriers. Alors, on y va. Bon, du coup ça m'intéresse pas tellement, mais bon. Bon, la route n'est pas bloquée ou quoi que ce soit. Bien, tout semble normal. Attends une minute, c'est pas Alexia? Chad, tu voulais me parler? Alexia, je voulais juste... Ah! Qu'est-ce que vous faites ici? Chad, Alexia, pourquoi vous êtes ici? Je ne sais pas, Chad m'a demandé de le rejoindre ici. Il voulait me dire quelque chose. Que voulais-tu bien lui dire à cet endroit précis, Chad? Oh, rien de spécial. Je voulais juste discuter de certaines théories au sujet des duels. Bon, pourquoi vous partez pas maintenant? Attendez, j'ai juste mis un petit peu le micro, voilà. Aller quelque part, loin, très loin. On dirait que Blair et Alex sont venus ici pour une raison particulière. Et si on s'en allait? Je suis sûr qu'on pourrait trouver une place à la cafétéria. Non, attends Alexia. Il faut que ce soit ici. Ah, pourquoi vous arrivez toujours au plus mauvais moment? Je vous défie en duel. Si vous perdez, fichez le camp immédiatement. Ah, je t'affronte quand tu veux, où tu veux. Je comprends pas très bien pourquoi on doit faire un duel, mais si tu perds, c'est toi qui dois partir. Puisqu'on est tous ici, si on faisait un tag duel? Un tag duel? Avec Alexia? Avec plaisir. Très bien, c'est parti. Avec Alex à mes côtés, je ne perdrai pas. Et désormais, je ne peux plus perdre. Car l'amour gagne toujours à la fin. Vous allez goûter à la puissance de notre équipe. Tag de l'amour. Ah, trois petits points, trois petits points. Allez, Alex. Allez, Alex! Genre, elle m'a dit ça comme si j'étais un Pokémon. Allez Alex, go! Fais ciseaux! Eh bah t'as gagné, bien joué Alex. Voilà. Donc, premier à jouer. Toujours avec le deck Seigneur Lumière. Du coup, je sais plus si j'en avais parlé, mais le prochain tournoi de duel, ça va être avec les... Je crois qu'on m'a dit que ça s'appelait le duel, le tournoi des champions, où en fait il y a tous les personnages du jeu, la plupart. Mais il y en a beaucoup des personnages. En tout cas, il y aura des personnages du jeu le prochain dimanche dans le jeu. Donc, je pense que je le ferai après le troisième event de Blair.
Et du coup, bah, avec le deck Seigneur Lumière, ça a passé super facilement. Donc, du coup, c'est quelque chose que j'avais des doutes sur ça, mais on me l'a confirmé. Et je vous remercie de l'avoir confirmé. Alors, on a un dragon du jugement dans la main. Et, ah bah, nous aussi, tiens. On a aussi un dragon du jugement dans notre main. On va poser une trappe sans fond. Et on va attaquer. Tout simplement. Hop. Force de miroir, très bien. C'est un peu chiant, je tiens à l'avouer, mais bon, allez, une phase. Oui, je suis prêt à perdre, exactement. Je pioche. Renfort de l'armée. Curieux commandeur. Alexia, d'ailleurs, qui va être le prochain personnage et dernier personnage principal qu'on incarnera. Après, on fera sûrement comme je vous l'avais dit, certains autres personnages pour jouer leur tech. Mais ça, ce sera sur les derniers épisodes. Saber Prima, détruit, ça c'est bien. Un éboulement. Oh, éboulement, sérieusement, elle joue avec ça? Pourquoi elle joue avec ça? Alors. Bon, du coup, on peut faire violent rage, limite. Ou ça, hein, c'est beaucoup mieux. Comme ça, on pourra invoquer le dragon du jugement après. Est-ce qu'elle va utiliser son effet comme une débile? Non, ça va. Ça va, je sais pas... L'intelligence artificielle n'est pas full débile, hein, à un moment. Et moins 200, moins 1800, et moins 3000. Le deck Seigneur Lumière, c'est vraiment le meilleur deck du jeu. Bon, avec le deck Belliator, et peut-être un deck Dragon Armée des Ténèbres, que je devrais essayer de faire. Faudrait que je fasse un deck Dragon Armée des Ténèbres. Qui pourrait être très fort dans ce jeu. Moins deck Twilight aussi, c'est cool. Fusion dimensionnelle, ok. Moins 2000, il peut aller chercher sa carte monstre. Il reste plus que 1000 points, hein, donc c'est pas... Il va attaquer. En plus, il attaque même pas Rico, avec force de miroir. Bon, bah, c'est... Je pense que c'était le rect, hein. Je pense que c'était le rect. Oh là 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 là. Activé. On peut activer ça? Non, c'est dommage. Pour le mettre sur le... Pour envoyer sabre au Seigneur Lumière. Boum et boum. Comme ça, on peut poser sur l'attaque et on n'active pas d'autres effets. Ah, les dragons du jugement, triple dragon du jugement. Tout va bien, on peut faire un ultime dragon du jugement. La petite fusion comme un ultime dragon blanc du bleu. Boum, alors ça, c'est fait. En moins de 10 minutes. Allez, arg. Ah, je rêve. J'ai perdu. Perdu. Bonus duel, 551, ok. Alors même pas 10 minutes, hein. Oh, j'adore. Ah, oh, j'adore l'illustration. C'est trop... C'est génial. Non, l'équipe tag de l'amour a perdu. Ah, tant pis. Hé, pas mal, hein. Il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir de la jeune fille amoureuse. Que les choses soient claires, je n'ai pas perdu contre toi. Tu n'aurais eu aucune chance sans Alex. Peu importe, une défaite est une défaite. C'est bientôt la fin de l'année. Et toi, tu n'as pas changé du tout. Peut-être que tu devrais rester à l'académie encore une année. Quoi? Comment oses-tu? Hihi. Allez, viens, Chad, on y va. Bon, on va à la cafétéria. Mais attends-moi, Alexia. Oh, maintenant, je ne saurai jamais si la légende est vraie. Oh. Oh, le pauvre Chad. Il ne changera jamais, hein. Je les ai chassés d'ici, mais on n'a rien à faire d'autre ici, non? Bon, allons-y. C'était pas mal. C'était franchement pas mal. Bon, j'imagine que le magasin va pas être ouvert. J'imagine que le magasin ne va pas être ouvert. Hop. Et si je retourne dans le magasin, on va essayer d'ouvrir quelques paquets et après on ira faire, je sais pas, le mini-jeu ou un ou deux duels avec Uria. Magasin, puisque là, vu tout ce que, vu comment l'event s'est passé rapidement, je pense que on va enchaîner sur le troisième event au prochain épisode, je pense. Alors. Bon, du coup, tous les paquets sont débloqués, c'est génial.
On a le piège pour expert. On va acheter... Allez, 10 petits paquets. 10 petits paquets. Je sais pas dans quel paquet il y a... Monster Reborn, violent orage et toute la familia là. Allez, on va prendre ça. On va en prendre 10 aussi. Et pour aller plus vite, hein, je vais tous les ouvrir d'un coup. Hein. Voilà. On va pas... Voilà, on va pas rester comme ça. Hop. Encore 10 d'ici. Comme ça, il y en a qui me demandent des openings de booster sur ce jeu. Donc allez, opening de booster. Expert magicien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, et le piège pour les experts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Bon, limite, si j'ai beaucoup de doubles, ce sera des cartes à échanger. Ouvrir plus rapidement. Alors, télescope ancien deux fois, piège supprimé, blablabla, ok. Blocage d'attaque, bulletin météo, bon, tout ça c'est très très nul. On est glacé. Bourse des armes qu'on avait pas, ça peut être intéressant si on joue monarque éventuellement. Spiritisme, malédiction du démon, bon tout ça, ok, c'est pas fou, c'est pas fou fou hein. Là non plus, pas, rien de nouveau, régissement d'orgueil, ça c'est nouveau. Filin de survie, ouais, bof. Ananas explosif. Michizu, très bonne carte aussi, on l'a déjà plein de fois. Duplication de clones aussi on a vu. Là c'est pour les magies continues, les cartes de terrain. Si jamais on peut piocher un Amon. Si on peut drop un Amon, magie économique. Inspection. Je sais même pas si j'en ai un de Amon. Si j'ai réussi à en avoir un à un moment. Je crois pas, hein. je crois que j'ai eu juste deux Uria. Disjonction. Ouais bon là. Rugissement menaçant. Deux fois en plus. Alors que j'avais pas. Barrière de force grenouille. Bon, rien de bien. Rien de bien utilisable dans n'importe quel deck en fait. Ou dans un deck que je suis en train d'utiliser actuellement. C'est dommage. Du coup, duel. Non, pas parler. PDA. Menu deck, modification du deck, on va faire ça, menu deck et recherche, charger une recette, on va prendre le deck Uria, ok, voilà, confirmé, et on va pouvoir tester ça contre lui, duel, on a perdu une fois contre lui, hein. Et on compare au duel normal. Comme ça, on va pouvoir voir au moins l'attaque de Uria quand il attaque. Les effets que ça fait. Après, on ira tester le mini-jeu des 400 amis. Faites-vous 400 amis. Alors, on se croirait sur Facebook. Hein, il faut faire un maximum d'amis, bien sûr. Je vais y arriver. Oui, tu vas y arriver. Oui. Alors, est-ce qu'on va piocher un Uria dès le début? Non. Mais on a de quoi tenir. Ouh, un orque gigantesque. On a de quoi maintenir les... Ah, on a un Uria, déjà. Ça, c'est bien. Espérons juste qu'il n'y ait pas de... de... trappe sans fond, de... Je sais pas ce qu'il pourrait y avoir. Bah, de décret royal, déjà, c'est plus important. Ok, un orque gigantesque encore. Bon, du coup, alors toi, il y en a un qu'on va... On va mettre le sortilège de l'ombre. Hop, donc toi, tu vas attaquer avec l'autre. Tu vas attaquer avec l'autre, donc on va activer le cercle envoûtant. Voilà. Donc on va désigner celui-ci. Voilà, on va activer le masque de restriction. Ça va être le premier à être enlevé. Et on va invoquer le Spectre Zoma. Donc comme ça, on va pouvoir invoquer Uria sur en retirant les trois cartes, excepté... Enfin, toutes les cartes pièges, excepté Spectre Zoma. Hop, on va mettre en mode attaque. On va invoquer spécialement Uria. En prenant ça, et en prenant ça. Totalement. Et voilà. Hop. Ah, toujours. Ah, cette cinématique-là aussi est super belle, quand même.
Franchement, les cinématiques de Yu-Gi-Oh! Tag Force 3 sont géniales. Pour du Yu-Gi-Oh! Surtout. Et même pour du Yu-Gi-Oh! Pour un jeu, c'est quand même un jeu PSP. C'est très beau, je trouve. Voilà, on va activer l'effet de Uria qui apparemment a réussi à être invoqué normalement. D'ailleurs, j'ai mis l'autre en mode attaque et c'était peut-être pas ce qu'il fallait faire. On va mettre le vortex foudroyant. Enlever ça. Puisque du coup, c'est vrai qu'on a mis le spectre Zoma en mode attaque et j'avais oublié que ces deux monstres avaient quand même 2200 points d'attaque. Et sinon, de toute façon, ça permet à Uria d'avoir 4000 points d'attaque. Et hop, l'attaque. Waouh. Oh. Oh, c'est beau quand même. Putain que c'est beau. Hein. Et la force de miroir. Malédiction d'Anubis. C'est quoi ça? Tous les monstres... très intéressant. What? La défense d'origine de ce monstre devient zéro et leur position de combat ne peut pas être changée. Ne peut être changée. Ok, très bien. Donc on a perdu. En tout cas, moi j'aurais kiffé faire ce duel d'avoir vu l'animation de Uria quand il attaque. Mais bon, clown grossier. Bon, en tout cas, je suis bien deg. Très deg. Leur position de combat ne peut pas être changée, donc jusqu'à la fin du duel. Vous êtes en train de... Non, on peut le remettre. Bon, du coup, en fait, il fallait juste espérer un petit peu de chance, mais la chance, on ne l'a pas eu, donc bon. Hop, on va attaquer avec le spectre Zoma. On n'a pas perdu. On peut attendre d'avoir des cartes. Ouais, c'est... Le problème avec le deck Uria de ce jeu, c'est qu'il n'y a pas le pot de sorcellerie. Et c'est une carte très importante. Puisqu'elle permet de piocher, et franchement, là c'est chaud. Surtout que j'ai que deux Uria, donc ça m'arrange pas du tout. En faut un troisième, absolument. Je pense qu'un deck Amon, ça peut survivre, à la limite. Puisque, on met genre les dragons Gravity Broyeur ou autre. Mais après, Michizur, merci, c'est génial. Du coup, pression royale, ça va pas être super. Ça va être compliqué. Ouais, tu vas utiliser ça. Clown de rêve. Clown de rêve. Au combat, oui, c'est ça. On va activer oppression royale. Inutile, j'imagine que c'est totalement inutile face à Triston. Triston. Mais bon. Hop, roue du cauchemar. Allez, on va terminer le duel avec roue du cauchemar comme on l'avait fait la dernière fois. Non, on va éviter. On va éviter. On va tenter le deuxième Uria. Orque gigantesque, ok. On va activer tout d'abord la roue du cauchemar sur lui. On va absolument éviter de prendre 2200 points de dégâts. Et top deck le Uria au prochain tour, ça pourrait être fort. Mais bon, il nous reste un Uria sur 30 cartes, ça va être compliqué. Ok, allez, bouffe-toi 500 points de dégâts. On a le sortilège de l'ombre. Une phase. Est-ce qu'il a... Oh, non, il a pas de monstre. On peut encore faire le sortilège de l'ombre. Voilà, on va voir. Et il ne peut pas attaquer, et un monstre va se cacher. J'ai pas l'impression qu'il y a de gros monstres. En fait, je pense que... Ok, ça c'est bien. Ok, prends-toi 500, c'est pas trop ce que j'ai envie de voir, mais bon. Hop, Slim métallique. Ouais, est-ce qu'il peut annuler la vocation avec oppression royale? Parce que je crois que c'est utilisable par les deux joueurs. Ou par un seul, je sais plus. Votre adversaire peut également... Oui, du coup, je pense qu'il peut l'annuler. Ok, un deck clown. Clown et orc. Non, je comprends pas trop l'intérêt du deck en fait. Au début je me suis dit c'est un deck qui joue sur les changements de position et tout. Oppression royale. Allez, vas-y. C'était peut-être pas le bon truc hein. Il me faudrait un tableau de lumière révélateur. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Mur de lumière révélateur. Ouais. Je pense que ça peut être ça. Qui pourrait me sauver en fait sur. Roue du cauchemar, moins 500.
qui pourrait me sauver sur certaines situations, en tout cas de tempo à mort. Là j'ai pas assez de cartes qui tempo, j'ai un filet gravitationnel éventuellement, mais s'il a des petits monstres, notre adversaire ne peut pas passer. On va invoquer le Garna, Cyberonde, oppression royale, allez bon 10. C'est vrai, j'ai oublié ça. Ouais, j'ai pas grand chose hein. J'ai pas grand chose. Hop, et moins 500 000, 350. On peut tenir encore un tour hein. Oh non, il a un monstre face caché, il va sûrement le mettre. Pioche je vais dessiner. Uria. Yes. C'est quoi ça? Les mirettes de cauchemar, durant la phase de chaque tour, changer la position du combat. Sérieusement? Ok, moins 500. Mais durant la phase de chaque tour, changer la position du combat, le télémon se fasse recto sur le terrain du joueur actif. Ok, donc ça va mettre mon Uria en mode défense. Bon, du coup, de toute façon, en fait... alors, on va enlever oppression royale, bien sûr. Sinon, ça va pas être le top. On va enlever ça. Hop, mode attaque Uria. On va laisser l'animation, elle est toujours aussi classe. On peut gagner, hein, parce que de toute façon, il va avoir 7000, 8000, 9000 ou 10000. Il va avoir 9000 ou 10000 points d'attaque. Il attaque n'importe quel monstre, on l'a gagné. C'est juste que je veux pas avoir une trappe sans fond sur le du côté adverse. Mince, j'ai passé le truc. Il a 10000. On peut activer son effet. Voilà, j'ai juste peur que ce soit une trappe sans fond. Pas force de miroir, puisque voilà, j'ai le temps de la détruire avant. Voilà. Oh, il a pas pu l'activer. Tous les monstres malédiction de bus. Bon, eh bien, battle phase. Et on va attaquer avec notre Uria contre son Petsen. Et on gagne. C'est vrai que j'avais mis Uria en pioche à dessiner. Et que j'étais un petit peu dans le mal. Et voilà, bouffe-toi le rayon de feu, de la mort qui tue, voilà. Ça te calmera avec tes cartes de mort. Et boum, 9500 points de dégâts. Là, j'aurai un nouveau record, je pense. Même pas. J'ai fait plus? C'est bizarre. J'ai perdu. T'es fort, dis donc. Refaisons bientôt un duel. Un autre duel. Bien joué, super Alex, continue comme ça. Ouais, ouais, c'est ça. Du coup, on va aller sur le port. On va aller sur le port. Faire le petit mini-jeu. C'est vrai que, bon, ça, c'est un mini-jeu sympa. Comparé à d'autres où je trouve qu'il y a certains mini-jeux, ils sont totalement nuls. Ou c'est très répétitif, et bon, celui-là, ça peut aller. Hein. Oui. Donc, vous allez voir. De toute façon, vous allez comprendre. Faites-vous 400 amis, testez vos connaissances en cas. Ça, par contre, je ne sais pas pourquoi ils disent ça, testez vos connaissances en cas. Donc, en fait, nous et notre partenaire, on a... D'ailleurs, attendez, je vais tester un truc. Ouais, c'est vrai, on peut sauter comme ça. On peut choper des personnages comme ça. Donc, un par un. Tous les rouges se mettront derrière moi et tous les bleus se mettront derrière Blair. Le but, c'est d'avoir les 400 amis à la fin. Donc, il faut enchaîner les... On va dire, entre guillemets, les captures. Putain, par contre, je suis un petit peu mauvais sur ce jeu. Pour enchaîner les captures, comme je veux dire entre guillemets, pour en fait en avoir plus. Hop, j'ai fait de la merde. Et j'ai pas le réflexe, j'ai pas tous les réflexes. Mon record, je crois que c'était 140 et quelques. Rejouer? Oui, on va bien sûr rejouer. Donc, on peut courir, mais souvent je ne cours pas trop. Hein, hop. Sinon déjà que c'est assez incontrôlable. Je trouve, hop, voilà, donc là j'en ai 3 en plus. Hop, viens ici toi. Voilà. Donc on perd quand on touche un des bords, quand on touche notre fil d'amis. Notre queue-le-le d'amis. Ou la queue-le-le de notre partenaire. Et du coup on peut sauter, hop. Est-ce qu'ils sautent tous au même endroit? Ah ouais. Ils ont l'air tellement débiles. Donc ça c'est quand on passe au-dessus de... c'est pour passer au-dessus de notre truc. Je l'avais pas vu venir. Donc apparemment, selon le personnage avec qui on est, on a des facilités. Notamment, par exemple, Jaden qui peut aller plus vite.
qui peut aller plus vite et qui peut courir. Je crois que Blair par exemple ne court pas. Sinon on a Yubel qui évite quand on s'approche d'elle, qui nous évite. Donc, comme ça c'est bien. Bon par contre voilà, si peu importe votre partenaire, si vous êtes nul, mince, je voulais pas annuler. On est à combien de temps? 25 minutes. Oh, allez, on va faire un dernier petit duel. Non, pas contre eux. Pas contre eux. Puisque je ne les aime pas. Biv a un duel. On va faire un petit dernier duel avec le Dacuria. Donc voilà, j'ai testé un petit peu. Donc oui, peu importe comment votre partenaire est fort. Quand vous êtes nul, comme moi, eh bien, ça ne sert à rien de faire ce jeu. Bon, après, ça peut... Ça peut être sympa pour gagner des DP... Enfin des BP, pas de, des duel points, donc des BP, ou de XP, mais bon, pas non plus le plus utile et c'est pas le plus facile. Hop, alors on va mettre la barrière spirituelle, sortilège de l'ombre, parfum anti-magie, roue du cauchemar, sarcophage doré, pour aller chercher notre deuxième Uriel bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, le plus important. Et au prochain tour, on peut en invoquer un. Ah, d'ailleurs, je vous ai pas montré la recette. Du coup, je vais vous la montrer. Après ce duel. Faut que si j'y pense. Une... Ah, de toute façon, vous l'avez vu vite fait. Mais je voulais pas présenter. Tortue pyramide, ok. J'aimerais bien activer des cartes. J'aimerais bien activer des cartes. Alors, ce qu'on a... ce qu'on a, ça va être sortilège de l'ombre sur lui. Voilà, moins 500. Et ok, il pose une carte. Si c'est juste une carte, c'est très bon pour nous. Parfum anti-magie. Ensuite, on va activer la barrière spirituelle. C'est dommage qu'on puisse pas tout activer dans un seul tour, comme sur certains autres jeux. Millennium Duel, les gars, ça vous existe. Ok, sarcophage doré, hop. Moi je pense que je vais juste tenir un tour de plus. Juste tenir un tour de plus. Ça se passera bien. Histoire de pouvoir mettre une autre barrière spirituelle et garder le parfum anti-magie sur... Ok. Pourquoi il joue ça? Qu'est-ce qu'il faut avec ça? C'est un deck tortue. Il a la tortue pyramide, la tortue blanche de 30 000 ans. Bon par contre, roue du cauchemar. Hein. Donc, on va te calmer tout de suite. Voilà. Bon, je préfère que ce soit ça, elle a que 50 de plus, et par contre elle réinvoque rien. Bon, après, tortue pyramide, à mon avis, ça invoque d'autres tortues pyramides, c'est tout. Hein. Ok, incarnation d'Apophis. Il a mis d'autres cartes face cachée, et ça, j'aime pas ça. Donc on va récupérer notre deuxième Uria. Hop, invocation spéciale. On va enlever ça, on va garder ça, on va enlever tout ça. On le met en mode attaque. Encore l'animation, voilà le C, hein. On l'aime bien. Faudrait que, ouais, faudrait que je fasse le deck Amon. Le deck Rabiel, ça me, je sais pas comment l'avoir. Je sais peut-être dans le paquet des monstres ténèbres ou dans un autre deck, je ne sais pas, mais je ne sais pas comment l'avoir. Hop, oui, je vais activer son effet bien sûr pour détruire. Qu'est-ce qu'on va détruire celle-là hein. Au pif. Ok, autrement prématuré, j'aurais dû... Fallait, je pense que ce qu'il y avait de mieux, c'était détruire la première carte qui est forcément une carte piège. Celle du milieu. Puisque les deux autres, c'est des cartes magie. Qu'il aurait voulu activer. Ah, c'était pas très intelligent de ma part. Pas très intelligent de ma part. Dommage. Dommage. Si c'est une force de miroir, je serais bien d'ailleurs. Bon, après, on a un deuxième Uria. Hop, allez, bouffe-toi. Combien? 2750, il a 4000 points d'attaque. Et on va end phase. Bon après le problème avec ce deck c'est qu'on a qu'un seul monstre, hein, toujours. C'est qu'on peut compter que sur un seul monstre. Il pose une carte, deux cartes. Ok. On va invoquer l'incarnation d'Apophis. En mode attaque. Voilà. Ok, le garde cyberombre. On va activer l'effet de Uria pour détruire la première carte là. Trappe. Ok.
Une trappe, c'est bien. Incarnation d'Apophis. On détruit la tortue pyramide. Je crois qu'il peut invoquer le monstre en mode défense avec la tortue pyramide. Ce serait un peu chiant, ouais. Aucune autre tortue pyramide. Un petit peu... ouais. Un petit peu vraiment chiant. On va passer ça, on va pas non plus montrer l'animation toutes les deux minutes. Même moins. Hein. Le botteur, ok, il a mis le botteur. Et là vraiment ils ont des decks tellement pétés, enfin pété dans le sens où c'est vraiment nul. Mais à quel moment ils jouent des decks comme ça avec des tortues, un botteur, Big Bang. Ok. Ok. Oui. Non. Au combat. Ok. Alors on va déjà. De toute façon tu peux le détruire. Hein. Ça augmente l'attaque de mon monstre de 1000. Je vais mettre le Garna Cyberombre. Bon, il va être... bon, je le mets en mode attaque. C'est pas un souci. Et à notre tour... Oh, ok, il est reposé face cachée. Je pensais qu'il était remis en face recto dans notre zone. Ah, du coup, il... Ah, du coup, le Garna Cyberombre est pas très fort dans ce deck. Faudra que je change. Au moins, j'avais jamais testé dans ce deck. Généralement, il se faisait détruire assez rapidement. Et c'est vrai qu'il est pas du tout utile du coup. Allez, 5000 dans ta face. On va passer encore. Enfin, 5000 dans ta face. 3300. Mais mon monstre a 5000. Et on va tourner notre tour. Bon, une fois qu'on l'a et que notre adversaire est bloqué entre les parfums anti-magie et Uria qui peut détruire les cartes face cachées, ça passe vraiment bien. Incarnation d'Apophis. On peut mettre en mode attaque. Le Garna Cyberombre, on peut pas... Oui, on va activer l'effet Luria, si tu veux. On va pouvoir activer sur l'effet, détruire la carte là. C'était quoi ça? Recul force annulé, invocation normale, invocation flip d'un monstre à renvoyer. Ok, heureusement qu'on invoque spécialement, nous. Et bon, rien d'autre à faire. Allez, hop, on termine ce duel en beauté. Bon, allez, là je laisse l'animation. Toujours cette musique que j'adore. Et voilà. Il se prend la méga attaque. Et il a perdu notre pauvre Bivin. Bivin. Bivin? Bivin. Je dirais Bivin. 3096 d'épée, 6 d'expérience. Tu m'as battu, je suis content que ce soit fini. Reviens m'affronter et que l'esprit du duel te garde. Il me dit ça, comment il me parle sérieusement. Bref, donc j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un like, un petit commentaire, vous abonner si ce n'est pas fait. Et la prochaine fois, on va faire le troisième event de Blair déjà. Oui, c'est pas que je veux rusher le jeu, en tout cas le scénario de Blair, mais c'est que le... Les duels se finissent trop rapidement avec elle. On est à combien de victoires d'ailleurs avec elle? Bon, après on a d'autres en tag. 12 victoires, une défaite. Je pense que c'est pas mal. Je pense que c'est pas mal. Ouais, j'en ai fait en vidéo. Quand même, les events se terminent en 10 minutes. Du coup, je suis obligé de combler le reste de l'épisode avec des duels normaux. Bref, du coup, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un like, un petit commentaire, vous abonner si ce n'est pas fait. Et on se retrouve la prochaine fois pour le troisième event de Blair. Et je pense que la fois d'après encore, ou en tout cas peut-être que... Peut-être tellement l'épisode sera rapide avec Blair. Peut-être que après le prochain event, on commencera le prochain tournoi. Allez, sur ce, je vous laisse. Bye bye tout le monde, à la prochaine. Bye.